Quand tu vas sur le site du Quai d'Orsay, tu peux voir que le Venezuela est tout en rouge. Arabe? Salam alaikum. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as les Espagnols qui sont très directs, moi j'ose pas les gars faire des trucs comme ça. Morrocoy! En fait les gars, avoir une caméra dans les mains, c'est un super pouvoir. Alors, on va essayer de gratter un yacht là. La poubelle organique à ciel ouvert. Salut les gars! Salut! C'est quoi ça? C'est quoi pour WhatsApp. Attaquable! Hola buenas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Tucacas au Venezuela et on va entamer une excursion, une expédition dans un des trucs les plus typiques du Venezuela, aka le Parque Morrocoy, très connu. Et on va aller visiter ça, c'est des plages de sable blanc, il y a des soirées, il y a des yachts, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Là, on est avec la petite lancha, avec le bateau qu'on vient de louer avec mon ami Jorge, qui est là-bas en train de filmer avec son téléphone. Il filme un peu des petits vlogs aussi, il s'amuse. Donc, on va aller là-bas, on va voir comment ça se passe, j'ai très hâte. Et voilà, donc là on a payé cette lancha, on a réussi à négocier quand même pour 80$ la journée, ce qui est quand même cher par rapport à certains pays. Mais on l'aura jusqu'à 16h et il nous emmène où on a envie, donc bon, mais 40 chacun, donc c'est pas si mauvais que ça. Voilà, comment t'es Yama? Alejandro. Comment? Alejandro. Alejandro, te vas con nosotros? Ah non, ok, te quedas aquí. Ok, bueno. Bon, écoutez les gars, je vous souhaite une bonne vidéo, ça va être exceptionnel. Voilà, on a largué les amarres, on est avec le petit ami Jorge du coup, qui est un gars que j'ai rencontré à Maracay. Bah de toute façon tu l'as vu dans l'autre vidéo et en fait... Salut les gloutons. On s'est retrouvé à Valencia et là on fait un petit bout de chemin ensemble, donc grave cool. En plus il parle trop bien français, regarde. Ouais, je suis à l'apprenti des Thibaut les gars, ça va, comment ça roule ou quoi? Le mec est chaud quoi. Ouais. Et comment t'es Yamas tout? Jefferson. Il va être notre chauffeur pour la journée, enfin notre pilote. Donc ça va être très cool. Il va nous emmener là où on va en vie. Mais capitaine des bateaux. Et en fait, on l'a rencontré dans la rue. Ouais, dans son glacerie quoi, dans un endroit où ils vendent des glaces. Moi, j'ai demandé à la MEF, tu vois, où est-ce qu'on peut. Où est-ce qu'on peut trouver une lancha, voilà. Et puis elle avait son fils ou quelqu'un de sa famille ou je ne sais quoi qui a pu nous le conseiller. Donc là, on est parti. Regarde-moi ça, il y a beaucoup de bateaux qui sont amarrés au port. Et tous ces trucs là sont faits pour le tourisme. Sont faits pour faire découvrir aux gens. Même tu peux voir là-bas, il y a des lanchas, il y a des bateaux qui sont pleins. Les gens, bah évidemment, quand tu prends avec plus de personnes, le prix va descendre. Ici on paye 80, mais eux là-bas ils vont payer peut-être 10, 15, 20 par personne. Bon voilà, ça c'est un choix après. Regarde-moi le bateau là-bas, il est complètement effondré, il est complètement coulé, il est sabordé. Et bon, je sais pas exactement où est-ce qu'on va aller. On va aller dans cette direction. Je peux voir que là, au loin, on va mourir. Les bateaux accélèrent. Ils sont tous chauds d'aller là-bas parce qu'en plus, on est samedi, meilleur jour de la semaine pour aller là-bas. J'ai très hâte. C'est parti. On peut voir que littéralement là, ça bombarde. On voit à fond les ballons. Il y a beaucoup de lanchas qui font des allers-retours. On peut voir que c'est un vrai business. Et tout autour, on a de la mangrove, des plantes qui vivent dans l'eau. Qui arrivent à survivre dans l'eau avec leurs racines. Regardez-moi la couleur de ces taux. On est arrivé à la isla des pajaros. Tu peux le voir dans le ciel. C'est des oiseaux. Il y en a énormément. Alors je sais pas si on va pouvoir accoster. Regardez-moi, c'est magnifique. On est vraiment en plein milieu de la nature. Hay crocodiles aquí, hein? Crocodiles? Crocodiles? Ah, pas dentro. Wow. Il y a des crocodiles les gars, donc on va éviter de sauter dans l'eau quoi, pour éviter tous les problèmes. Comme tu peux le voir sur ce petit panneau, on est arrivé à Cayo Plahuela, Plahuelita, le premier apparemment du début de notre visite. Et c'est un truc de fou, enfin regarde les gars, eau turquoise, énormément de monde. Et tu peux décider de te baigner, de te poser là toute la journée si tu le souhaites. Regarde-moi ça. Ah les gars, Venezuela c'est un petit bout de paradis quand même. Regardez-moi, c'est tout. Et tu peux peut-être louer une petite bouée, te poser avec ta famille ou avec tes potes. Oh putain, non, c'est incroyable. C'est incroyable, ça c'est un truc vraiment, si tu viens au Venezuela, t'es obligé de passer par ici quoi. Qu'est-ce que t'as, Jorge?
bien et tout, très bien. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, mec, de fou là? Bah, c'est quand même. C'est exceptionnel, la première fois qu'on voit un truc comme ça au Venezuela, ouais. Genre. C'est vraiment un truc incroyable. Bon, on repart déjà à cette petite plage de Playuela. Pas grand chose à faire, à vrai dire, c'est plutôt chill, c'est plutôt familial. Nous, on veut de la rumba un peu, on va essayer de chercher. On va essayer de chercher un peu là où il y a la fête. Sauf que bon, il est quelle heure? Il est midi là. Ouais. Il est midi, bon, les gens vont commencer à boire un peu, à chauffer. On va arriver, j'espère, à la bonne heure pour ça, quoi. La Venezuela, si. C'est vrai. Là, on veut la fête. Argentina. Argentina. No sé de dónde. No, pero vosotros. No, de aquí. Ah, aquí, pero. Este es argentino. Yo soy caleño. Caleño. Caleño de Cali. De Cali. De Cali, en Colombia. Cali, Colombia. Cali, Colombia. Estuvimos hace poco de vacaciones en Colombia. ¿En serio? Me están creyendo con el acento. No, por eso. No, le creo. Y la cara. Yo también le puedo hacer un acento y no soy de aquí. No, ¿cómo? Yo también te puedo hacer un acento y no soy de aquí. ¿Y de cuál ciudad son? Están. No, de la ciudad, la ciudad. Barquisimeto. Ah, Barquisimeto. ¿En serio? Estamos a... Ah, coño. Pero vamos después de aquí a Barquisimeto. Sí, vamos en Barquisimeto. Ah, bienvenido, le va a gustar. Gracias. Él es francés y es español. Sí. Sí, es que tú eres español, pero... ¿Yo? Muy rubio, díselo, díselo. ¿Y ustedes cómo se conocen? Es mi padre ahorita. ¿Es tu padre? Sí, es mi padre. Pida la bendición. Sí, sí, sí. Tiene 40 y... ¿Cómo que tengo 40? Tengo 15. Ah, pero tú hablas francés. Sí, sí, bueno, él habla súper bien, como un nativo. Muy bien español. Yo intento. Lo intenta, lo intenta. ¿Dónde aprendiste? En Colombia. ¿En serio? Sí. ¿Viviste en Colombia? ¿En Hace Cali? Dos años y por seis meses. Mira. Qué rico, yo me conozco. Qué rico. Te enseñamos árabe también, si quieres. ¿Árabe? Árabe. Salam aleikum. Aleikum salam. Le ves joya. ¿Eh? Le ves, ¿sabes? De ¿Te estás hablando en francés? ¿No? ¿Qué árabe hablas? Siria. Ah, de Siria. ¿Qué está, ¿Tiene origen de...? ¿Sí o qué? Familia árabe. Parece, la verdad, como parece de Lima. Líbano. Líbano. Oh, qué Siria. Salut les gars, on est ici avec des filles vénézuéliennes, on vient de les raconter, elles sont vraiment très très sympas. Elles sont très gentilles. Ouais, ouais, mais vraiment très gentilles. En plus, syriennes, elles ont des origines. Ouais, elles ont des origines de Syrie. Sí. Tout somos primas, hermanas. En serio. Mais si, il y a des croisements qui se font, okay. C'est assez incroyable. Ouais. Ah bon, qu'est-ce que t'as en commentaire? J'adore les gars, j'adore. Mándame el currículum, Tivo, ¿y tú? Stephanie, sí, lo tiene aquí. ¿Y tú, cómo te llamas? Jasmine. Ah, Jasmine, muy, muy árabe, como... Muy árabe. Mucho gusto. Árabe. ¿Y tú? Tivo. Jorge. Se llama Jorge. Me siguen los chicos. Igualmente. Chao, chicos. Chao, placer. Bueno, ¿es que el Venezuela es dangereux? Qu'est-ce que tu penses, ton avis en tant que voyageur ici? Les gars, sincèrement, c'est pas dangereux, mais il faut prendre des précautions quand même. On est en Amérique latine, et voilà. Mais c'est pas non plus, tu vois, comme les gens, ils parlent de Venezuela et ils disent non, c'est vraiment très dangereux. Tu vas sortir de la rue et tu vas te faire voler. Exactement. Ça c'est complètement fou. Ça c'est ce que les médias veulent faire croire. Regardez les gars, est-ce que tu aurais pensé une seule seconde que tout ça existe au Venezuela? Bon. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, bon, quand tu vas sur le site du Quai d'Orsay, tu peux voir que le Venezuela est tout en rouge. Tout en rouge, ça veut dire que c'est très déconseillé. Si tu te fais enlever, on pourra pas te sauver, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et bon, on arrive quand même à enjoy ici, à rencontrer de très jolies personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs, qui ont des croisements avec d'autres origines, mais en tout cas, c'est incroyable. Enfin, les gars, bon, il y a la Colombie qui est juste à côté. Si toi tu as prévu de faire un voyage en Amérique latine, écoute, si tu as le temps et l'argent, parce que bon, faut quand même pas se mentir, c'est quand même coûteux ici, et bien viens faire un petit tour au Venezuela, je pense que tu regretteras pas le détour, quoi. Voilà, ça bouge pas mal quand même. On est en direction d'une autre île, on est en direction de Los Juanes. Un spot qui a l'air insane. J'ai vu énormément de vidéos dessus. C'est le the place to be apparemment, et bien, énormément de gens. Bon les gars, on va arriver à Los Juanes, regardez-moi ça. C'est toute une place où en fait tu as de l'eau jusqu'à la taille à peu près. Et tous les yachts sont arrêtés, c'est la fiesta. Buenas. ¿Qué tienes, amigo? ¿Cómo se llama esto? Ah, c'est oyster, c'est des huîtres. C'est des huîtres. Ay, wow. Pescado. Prueba todo.
Gracias. ¿Cómo se llama? Ostra. ¿Cómo? Ostra. Ostra, ostra. Des huîtres, ouais. Bon, allez, salut. Hein. Vous goûtez les huîtres? Como lo vas a freír. A freír. Ah, ok. Gracias. ¿Qué es esto? Quigua. ¿Cómo? Quigua. Quigua. T'as déjà vu ça de ta vie ou un truc comme ça? Ok. Salut. Lo has pescado como. Lo traigo frito con todo para acá. ¿De esta mañana? Sí. ¿Lo has pescado esta mañana? De anoche. Gracias. Súper rico. ¿Cuánto vale por una? La docena, esta te sale 15. 15. 15 dólares. 15 dólares, ok. Y la de otra te sale 10. ¿No tiene ceviche como los platos de...? Sí. Me hice. Tiene con pataconcito, ensalada. No, prefería como ensalada, si tiene. Como. Bueno, también. Ensalada. Ensalada, sí. Ensalada con pataconcito. ¿Podría mostrarme como si tiene o algo...? A la onda de los pichos de camarones. ¡Ey! Ah ouais, alors moi j'ai attiré tout la meuf quoi. Regardez-moi tous ces vendeurs là. Eh, hey, buenas, que tal? Ah si, si, ok. Ah, wow. Que 30? Bueno, bro. Muchísimo. No, no, 30 euros, c'est un peu beaucoup quand même. Si, me... No, vale, gracias, está bien. Se nos va completamente de presupuesto. No, como... Buenas, wow. Hola. Os cercle, ¿eh? Os felicito, ¿no? Gracias, Tom. Je prends la moitié, attends, je prends la moitié. Oh, c'est bon, ça, putain, c'est bon, sa mère. Sa mère, c'est bon. C'est très, très bon. C'est quoi, c'est du poisson, ça? Non, mais gars, t'as envie de les balancer les 25 dollars, bon. ¿Y qué tiene aquí? Piña colada. Ah, piña, es todo bebida. Piña colada, cocada, chile fresco. Con alcohol, todo. No, con licor y sin licor, como la desee. ¿Cuánto vale por un vaso? Tienes en 5, tienes en 10 y en 15. Ah, ok, vale. Primero encontramos algo y para comer. Sí. Pescado. Dame 40 por los dos, pues. Un par. Bon, pour moi c'est 10-15, en vrai. Pour moi les prix que j'avais vu c'était 10-15. Ouais, 10-15, ouais. T'as tenu un plateau pour 10 ou... Pour 15, tu prends du ceviche. Ouais, bien sûr, mec. C'est le truc qu'on a mangé. Pour 30, c'est le compramos ahorita. 15. Que podemos tener... 20 platos, 20 platos. 15 es la oferta que le puedo hacer. Además le han robado la cartera. ¿Qué podemos tener por 15? ¿Qué podemos tener por 15? 30 los dos con todo. Sí. 30, ok, vale. Wow, ok. Muchas gracias. Bon, j'ai comme l'impression de te faire un peu avoir. Si. Parce que j'avais vu que c'était pas spirituel. Est-ce qu'on goûterait pas le petit camarones avec le petit ceviche là? Bon, les gars, avec nos têtes, c'est vraiment pas facile de négocier. Enfin, dès que t'arrives ici, ils te mettent un prix de gringo. Mais il nous avait dit 30. Par personne, et finalement on est... Ouais, on est... Non, mais chin-chin. Il nous a dit 30 par personne, et finalement on est descendu à 15, donc tu vois déjà que... Mais bon, on aurait pu descendre encore plus. Mais tu m'as... Tu te chines pas? Tu te chines pas? Aucun respect, c'est espagnol. Bon, c'est pas grave, allez. Hein, encore une fois, voilà, c'est chiant. Mais bon, on peut pas aller faire grand-chose, malheureusement. Il faudrait qu'on ait une Vénézuélienne juste à côté de nous, là, ou un Vénézuélien. Pour négocier pour nous. Ouais. Bon, par contre, sincèrement, on vient de se régaler, c'était super bon. Je pense que Rodré, on est d'accord pour dire que. Ouais. Bon, ça valait quand même le coup, les gars. 15 dollars, bon, c'est vrai que c'est cher, mais ça vaut quand même le coup. On va quand même maintenant payer le petit gars. Très bien, hop. Gracias. Perfecto. Gracias. Bon, avec Rodré, on repart un peu l'air déçu, puisque pour l'instant, il semble qu'il y a du monde actuellement, mais les gens ne descendent pas de leur bateau. Et c'est pas encore la méga fiesta, donc on va faire le tour. On va aller aux autres îles. Où il doit nous emmener, le chauffeur et Jefferson, et on reviendra ici après vers, je sais pas, 15h, 16h, 17h, ouais. Les gens seront plus chauds, ils auront quelques bières dans le sang et puis on reviendra quoi. Mais regardez-moi tous ces yachts là, enfin, il y a du très très beau monde ici. On vient d'arriver à Cayo Pescadores. Regarde-moi cette singerie, j'ai jamais vu ça de ma vie, que des bateaux. Les gens qui font la fiesta, qui profitent de leur week-end.
Mais là ça tape les gars, ça tape d'une force. Ça brûle. Même lui qui est espagnol, regarde, tu peux voir que ça tabasse là, ça tabasse sur le dos, sur les épaules. Il faut se protéger les gars. Que lo que? Todo bien? Todo bien? ¿Dónde son? De Francia y de España. Francia y España. Venga, yo la tomo. Ok, ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Otra vez, somos solteras y podemos. ¿Están quemando con eso? Vete. ¿Por qué hacen esto? Por la arena. Arena. Attends, est-ce que ça filme bien, Théo? Perfecto. Estamos con quién? ¿Con cuál es su nombre? María. Joana. Joana. Egli. María. Yaniré. Mucho gusto. Jorge y Tibo. Ok, creo que está bien. ¿Ya? Creo que está bien. Sí. Lui, il est direct, les gars, lui, il est très bien. De los españoles, tú me lo venezolano. Todo el mundo va. Hecho. Les espagnols sont très directs, moi j'ose pas, les gars, faire des trucs comme ça, ouais. Il est très très chaud. Non, está bien, nadie entendió. Su canal es francés, entonces. Sí, nadie entendió. En español, bueno, meterá subtítulos y demás. Está bien. Sí. Bueno, nos busca por la red para que nos pase la foto, yo. Claro. Sí, claro. ¿Quieres? Claro. Tomas una foto. ¡Claro! Sí. Cuando yo te diga. ¿Sabes qué es eso? Ah, le tueur. Ah, le tueur. Muchas gracias. Un placer. Disfruta, hasta luego. Ciao, ciao. Ouais, je suis rouge à l'arrière, je vais arrêter de m'exposer au soleil, les gars. Bon, c'est sympa, franchement. Moi, perso, j'ai toujours dit, Jorge, moi, j'aimais bien le Venezuela. Bon, après, chacun ses goûts, quoi, les gars. Chacun ses goûts, mais là, je pense que, regarde mon dos, là. Je pense que je suis en train de brûler. Bon, le problème, c'est que lui, il parle vraiment, enfin, le problème, problème ou pas problème. Moi, je bégaye un peu encore en espagnol, surtout dans les moments comme ça où il y a beaucoup de gens. Non, putain, quel charron. Où il y a beaucoup de gens et bon, lui, il parle parfaitement espagnol vu qu'il vient d'Espagne et donc bon, il prend forcément le dessus et il fait des trucs que j'ai pas encore la main, malheureusement, comme ce qu'il vient de faire. Ça, jamais j'ose. Bon, faudrait que je tente quand même un jour, mais peut-être pas aujourd'hui, quoi. Buenas. ¿Qué más? ¿Eres tímida? Sí. ¿Todo bien? Está cumpliendo años. ¿Cumpleaños? Sí, hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿Tienes 22, no? 35. No, mentiras. No, mentira. 35, wow. 28. ¿28? ¿Pones crema o qué? Sí, mucha crema porque... Sí, no, vale, ya es demasiado bello. Quita las gafas. ¡Wow! Impresionante. Claro. Mira, demasiado bella. La soltera aprovecha. No, mucho gusto. Mira. Mucho gusto, que lo que te doy. ¿Cuáles son tus nombres? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, mucho gusto. ¿Y tú? Mariana. Mira, feliz cumpleaños, Mariana. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo? Mónica, mucho gusto. ¿Y tú? Tibo. Mucho. ¿Y tú? De España y de Cali. ¿Estás soltera o qué? Yo estoy casada, Bueno, casi casada. Casi. Escucha, yo te ofrezco una ciudadanía. Te ofrezco un barquito, te ofrezco dos casas. Mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo. Hola, Vera, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Samuel. Vamos a España. Samuel, si no te recuerdas de tu nombre, lo tienes en tu camisa. Bueno. ¿Cuánto edad tiene? ¿Qué edad tiene? Cumplió 12. ¿Y qué edad tienes? Yo, 33. No. Muy joven. ¿Cómo? Muy joven. Súper joven. Claro. Parece 19. Parece. No, bueno, entonces me acepta la proposición. Yo te traigo la niña mañana.
de francés tiene más fuerza. Tenemos como, no sé, 100 países y más. Y, claro, sí, claro que sí. Claro. Hablando, él te está diciendo algo que te dice opciones, que no. Tienes opciones. Mira, opciones. Te digo una cosa, tú lo buscas en internet, el pasaporte español es el más fuerte del mundo pasando 2024. Sí. La gastronomía en España. Ven, tenemos la Torre Eiffel. Ya va, ¿tú eres de dónde? De Francia. No. ¿Y él? De España. ¿Para dónde me voy? París, te vas a París. A París. Va a París. No, no, no. Vamos no, no, no. Para Francia. Ay, si quieres ir para Francia. ¿Hablas francés? No. No. ¿Quieres ir para Francia? ¿Te? Ah, sí. ¿Tú trabajas conmigo? Pues, claro, toda la familia. ¿Se quiere ir? Toda la familia. Él me quiere llevar para España, pero... Es el paquete, es el paquete. No, no, no. El paquete. La madre con el hijo. No, está aquí, está de viaje. Está de viaje. Sí. Dale, vas. No, mi novia, ¿qué haces con mi novia? En serio. Mi esposa, ¿qué es? Lo siento, como dicen aquí, lo siento, chamo, pero aprendo a hablar español. No, ah, sí. Mira, te voy a hacer una pregunta que seguramente no te guste, pero ¿quién es más guapo? Tipo yo. No escuchas. Dime mis orejas. Los dos. Ok, vamos a casarnos. No, sí. No, con la cerveza, que tengo que salir con la cerveza. Para que vea que me conocieron. Sí, YouTube. Ay. Instagram. Estamos en Barac. ¡Epa! Morrocoy, papi. Tu caca. Sí. Oh, claro. Vale. Mira, oh. Tú tienes Instagram. Claro que sí. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo todo? Bien. Saludos, vale. Vente. Hey, ¿qué tal? Bien. Video acá con nosotros en vivo. Papi, de Falcón. ¿De dónde vienen? De Falcón. Tu caca. Ey, siempre rompiéndola aquí hoy de sombrero. Te voy a colocar el Instagram aquí para que te quites el video. ¿Cómo se llama? Luigi. Para franceses. Para Francia. Papi, cevichito, pulpito, camaroncito, langostica. Vitafer en gota. Y mujeres. Mujeres también. Muchos los colores y todos los estilos. Ah, ya. Ok, gracias. Vale, hasta luego. Chao. Bon les gars, on est très bien accueillis ici à Playa Cayo de Sombrero. Il y a notre poteau Jorge juste là-bas, on va lui dire bonjour. Regardez-moi cette plage démentielle, c'est un truc de fou. Il y a 1 milliard de parasols, c'est comme toutes les autres, on va être sauf que cela, c'est une des plus grandes. Buenas, todo bien? Comment te llamas? Karina, au placer. Karina, mucho gusto. Mi amigo influencer Fimo. Sí, wow. Puedes solo decir amigo, pero amigo. Bueno, para que vea que la cámara no es rara. Sí. ¿De dónde viene? De Los Teques. ¿Los Teques? Ah, ok. Es un pueblo, Los Teques, ¿no? Es como... No, eso es. Sí, mira. Más o menos, no es una grande ciudad. Hace frío muy bien. ¿Dónde está cerca de Mérida? ¿Los Teques? No, la Gran Caracas, la Gran Caracas. Ah, ok. Claro. Entonces, no me aceptas la proposición. No, papi, te ves muy chiquito para mí. ¿Qué edad tienes? ¿25? ¿25? ¿36? No, 27 máximo. 27 máximo. No, la verdad que sí, papi. ¿Cómo? De verdad que sí. Tengo 35, entonces, ¿podemos? ¿Podemos? ¿No quiere un esposo de Francia? No, papá. Ay. Prefería solo los venezolanos. Ah, ok. ¿Cómo? Está bien. Muchacha bonita, pequeñita. Sí. Que les vaya bien. Bueno, chao. Chao, un placer. Chao. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Ouais, j'ai plein de miniatures également dans cette vidéo. J'aurai l'embarras du choix pour faire du putaclic. Non les gars, je vous jure, il n'y a pas besoin de chercher ici très loin pour trouver... On y va dans 15 minutes en fait. Hein. Ah ok. Notre ami nous a dit dans 15 minutes quoi. On peut aller voir là-bas vite fait si tu veux. Non, c'est un truc de fou ici. Il y a vraiment cette culture en plus de la chirurgie, du corps, de l'esthétique. De l'esthétique, tout ça. Donc bon, la plupart des gens ont les poitrines refaites quoi. Ouais, tout. Il n'y a pas... C'est comme. C'est des mi-hommes, mi-humains, mi-machines quoi. Bon, en tout cas, c'est pas pour déplaire aux passants quoi, j'ai envie de te dire. Non, pas mal, franchement, Morocco, je pense qu'on va s'acheter une petite maison là. On va s'acheter une maison par-ci, par-là, avec Rolfré, on va investir. Et puis on va venir ici tous les jours parce que.
À quoi ça sert de travailler, les gars, 35 ans pour après prendre la retraite? Pourquoi pas prendre directement la retraite ici? Dormir en sac de couchage dans la forêt juste là. Voilà. Et faire sa vie. Avec des moustiques. Avec des moustiques. Bon, en fait, finalement, quand t'en fais une, t'en fais à peu près, tu les fais à peu près toutes, puisque c'est la même composition, c'est des plages paradisiaques. T'as tout un forêt de palmiers. Après, t'as l'eau turquoise, t'as les transats là-bas pour chiller. Bon, après, il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Par exemple, celle-ci là, Cayo Sombrero. Bro, es chévere, chévere, la verdad, como a la muerte. Hein. Là, on va retourner à Juanes, Los Juanes, parce qu'il y a notre chauffeur qui nous attend, Jefferson. Parce qu'après, il doit nous déposer. Lui, il va aller chercher d'autres gens pour rentabiliser un peu sa journée. Et après, il reviendra nous chercher dans peut-être une heure après. Et donc là, on va aller à Los Juanes, la rumba. Donc, on va essayer de voir la fiesta comme jamais, les gars. Normalement, ça devrait être blindé de monde. Là, le soleil se calme un petit peu en termes de puissance. On va voir ce qui se passe là-bas. Amigo, tu eres youtuber. Comment? Qu'est-ce un youtuber para ti? Una gente con mucha amplitud en las redes sociales. Sí, oh. ¿Qué es una mucha amplitud? Full números. Ah, oh, sí. Eso. Sí, seis números. Entonces, ¿por qué no tenemos foto con este cuerpo tan escultural? Ay, 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 ay. Vengan, amigos. Tenemos que hacer una foto. Venga. Tenemos que hacer una fotita. Ellos van más al gym que nosotras, pero no importa. Todo sirve, ¿verdad? Todo el material que se recopila sirve. Sí. Ajá. Ok, vamos a hacer una. ¿Qué tal? Nosotros ¿todo bien? De Curazao. ¿Curazao? Ajá, ¿ustedes de dónde? Ah, de es como de bueno, Holanda. Bueno, ella es de Chicago. Curazao es en Holanda, ¿cómo? ¿Es parte de Holanda? No, ajá, Holanda ya. Ok, ¿tiene el pasaporte de Holanda? Sí, pero se moja y lo dejé. Ah, ok. ¿Y de Curazao y de dónde? Chicago. ¿Chicago? Wow. Ajá. ¿Gringuita? Ajá. ¿Gringa? Yeah. Ok, so you all speak English, right? ¿Usted? España. Ajá. Y Francia. ¿De la influencer? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Te demando un foto. Ah, sí, vamos. Está grabando ahorita. Ah, okay. Entonces, esto es. La foto es como así. Hablando de Chicago. Jorge. Salud, les gars, on est encore ici. Miniature, encore une fois. Des gens très sympas. Ouais, toujours. Excelente. Que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Okay, thank you very much. Bye. Ciao. Que chic. Non, mais c'est trop bien. Putain, j'adore, mec. L'interaction infinie, c'est de l'interaction infinie en fait. T'es là, tu te promènes et bon bah tu parles avec les gens gratos quoi. C'est trop. En fait les gars, avoir une caméra dans les mains c'est un super pouvoir. J'ai envie de vous dire les gars, venez ici même si vous n'êtes pas youtubeur, filmez-vous et vous verrez ce qui va se passer. En fait. Bon, on est retour à Los Juanes avec André. On a le sac ici qu'on va devoir refiler à quelqu'un puisque Jefferson va s'en aller avec son bateau et bon on n'a pas trop envie de laisser le sac. Pas qu'on n'a pas confiance hein, mais bon on sait jamais. Donc bon on va essayer de gratter un yacht là. Allez gracias papi. Ok, nous vemos hein. Allez Jorge. Ay no. Disculpa. ¿Sabes dónde podríamos poner esta mochila? Porque no es nuestra la lancha. La lancha, la lancha. ¿Tienen una lancha o? Sí. Sí, pero es como algo privada o. Ah, ok, le mousse. Cuidado. Ay, tu peux me tenir ou pas? Comme ça, moi je vais faire. Ok. Vale, gracias, nous vamos a buscar. Hein. Ok. Comment? Non, se va a traer más gente, entonces. Y no queremos dejar la mochila con. Où est-ce que c'est de viser, Jorge, mec? On a l'embarras du choix, mec, avec ce sac à dos là. Où est-ce qu'on peut là ou pas? Comment? Le plus gros, ils vont rester, non, ça veut dire. Disculpa. Buena, es tu barca? Hein? Porque tenemos una preguntita, porque tenemos una mochila y nuestra lancha sería posible de poner la mochila como adentro sobre la mochila. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, pues estamos terroristas, no. Les ha contado, no. Es que la lancha ha partido, entonces sí. No queríamos dejarla adentro porque vamos a estar tranquila. Ahorita vives una hora. No sé, sí. ¿Se puede? ¿Cómo? Póngala ahí. Ok, muchas gracias.
gracias. Vale, vale, tío. No, no. Lo único, vamos. Lo único que no sé. Hostia, que no sé, hostia. ¿Es de España? ¿Cómo? ¿Dónde son ustedes? De España, de Francia. Francia. Sí, 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 sí. ¿Y vinieron solo? Sí, 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 sí. Estamos llevando solo. ¿De dónde viene? No, sí, sí. ¿Cómo? Francia, 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 España. Vale, tío, vale. Sí. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. No tienes una bomba ahí, cuidado. No te vayas también, ¿eh? No te va. Ok, on va suivre le José Loquito. En tout cas, la mission laisser le sac rempli de dynamite a été réussie, quoi. Non, muchas gracias. Oh. Podemos explorar. Ay. Somos con aventuras. Les gars, on n'est pas là que pour s'enjailler, on est aussi là pour explorer. Regardez-moi. C'est là qu'ils jettent tous leurs coquilles en fait. Regarde ici là. C'est ici que tous les vendeurs apparemment jettent leurs coquilles. C'est la poubelle. La poubelle organique à ciel ouvert, il y en a partout là-bas. Mais je pense qu'ils jettent tout ici. Bon. Faut bien qu'ils le jettent quelque part, tu vas me dire. Je suis en train de réfléchir les gars. Parce que franchement, c'est la première fois de ma vie que je vais aborder un bateau avec plein de meufs. Avec ça les gars. Il y a non, c'est un truc de fou. Bon là, on va falloir trouver un plan, une stratégie pour s'en rapprocher quoi. Si on y arrive. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'accès, ils sont tous à l'avant. Ouais, ouais, ouais. Bon les gars, on va devoir nager avec la caméra. Aïe. Regarde, regarde où est-ce qu'il va aller, regarde où est-ce qu'il va aller. C'était un truc incroyable les gars, c'était les meufs qu'on a vu tout à l'heure avant. Non, lesquelles Les groupes de meufs. Oh, les 600. Et justement, j'ai touché, c'est là que j'ai proposé de marier. Oh. Comme quoi ici Morocco et les gars on se retrouve facilement quoi. Bon on l'a déjà vu alors, ça sert à rien de... C'est déjà vu les gars, on va vous montrer autre chose, quelque chose de nouveau quoi. On va retourner là-bas du coup je pense. Mais il est chaud vraiment, faut qu'il sorte une formation les gars pour... Parce que lui ose énormément de choses que moi je me permets pas. Et j'apprends beaucoup de lui honnêtement. Regardez-moi le monde qu'il y a les gars, c'est quoi cet endroit de fou. J'ai jamais vu ça, j'en ai rêvé les gars, j'en ai rêvé de cet endroit juste avant de venir. Putain c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? On a du soleil, bon là c'est un peu sous la couvert. Du reggaeton, de la mujeres, un amigo bueno. Là est todo. Il y a un supermarché en plein sur l'eau, en très peu d'espace, tu vois. Tout ce qui est poisson, fruits de mer. T'as même tout un truc de chips. Ça c'est incroyable. Buenas. Quanto vale pour un paquet? Pour la cara. C'est quoi? Non, c'est comme... C'est ça, pour ejemplo. 3 dollars. 10? 3 dollars. Ah, 3 dollars, ok. 3. Solo a 3 o todo? Solo a 3 dollars. Ok, vale. ¿Tiene otras cosas o...? Ok. 3 dollars, todo. Vale. Muchas gracias. Bon les gars, si t'as oublié des gâteaux apéro, tu peux venir acheter ça là-bas pour 3 dollars, ce qui est franchement très honnête je trouve. De Francia. Et tu, de Venezuela. Pero de qué ciudad? Ah bah c'est bien. Nos vamos de Francia. Comment? De Francia. Francia. Sí, Francia. Sí. Sí, los dos. Pero, o sea, ¿dónde tengo ahorita en Valencia? No, es en Caca. No, yo sé, estamos en tu caca, pero... Ya verás, chico, que te pasó de Venezuela. Ah, claro. Sí. No entiendo la pregunta, la nana. O sea, que estás visitando Venezuela. Sí, exacto, de viaje. De viaje. ¿Y tú juegas tenis? No. No. Yo sí juego, no te borras. Qué trompa, no sé, juegas tenis. ¿Cómo te llamas? Napoleón. ¿Napoleón? ¿Napoleón? Como Napoleón. Como Napoleón Bonaparte. Exacto. ¿Él es francés también? No. Es el primero Napoleón que... Pero eres el hijo de Napoleón, ¿no? No. ¿Napoleón? ¡Qué chévere! ¿Y tú cómo te llamas? María. ¿Cómo? María, mucho gusto, María. ¿Cómo? Simón.
Ce soir, ça tombe très très bien s'il nous invite. On va s'amuser pour. Buenas! ¿Cómo te llamas? Yo, Alessandro. ¿Cómo te llamas? Alessandro, Tivo. Francia. ¿Es tu cumpleaños? De España. ¿Cómo? ¡Ah, ¿Es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, mucho gusto. ¡Graba los pelos! ¡Graba los pelos! ¿Los pelos? ¿Los pelos a quién? Los pelos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Simón, con un T. Elia se llama George, más fácil. George. Como George Clooney, pero más joven y con menos dinero. George, sí. Una pregunta. Dime. ¿No está con unos culitos ahí? ¿Yo? Sí, no está con unos culitos. Estamos solos. Ah, no, sí. Bueno, se puede volver nuestro. Epa, y grabaste los chinos. ¿Cómo? Grabaste los chinos bailando. Sí, es poquito raro. No, lo he visto ahí. Lo único chino loco. Sí, un poquito como. Una locura. ¡Salud, Lega! ¡Salud! Mira, Tibú, 400. Yo soy Cabeto, tengo 1.5 millones. ¡Ay, cállate! ¿Tú? ¡Ah, bueno, Cabeto! ¡No, eres comediante! ¡Estamos en front, Charo! ¡No, eres comediante! ¡No, eres comediante! ¿Cómo? ¿Cómo te buscamos? Tiene que escribir porque es complicado. Ya es va, pero te busca mi teléfono. Tiene un celular. Pero me busca el teléfono para que tú no me lo pases. Sí. ¿Qué hay adentro de esto? Sangría. Ah, sangría. ¿Puedo probar? No, nosotros somos alagadistas. Sangría es como vino. Es como vino. ¿Cuántos por ciento? Coño, no sé. No sabe. Okay. Pero está bueno. Pruébalo. No, esta. ¿Por qué le queda? No, es lo mismo. Ok. Pruébalo. Salud. Qué rico, la verdad. Sí. Bacán. Ya va. ¿Dónde está? ¡Va para el cumpleaños! ¡Va el cumpleaños! Sí, va. ¿Dónde está? Ok, vale. No tenemos alcohol. O sea, no, nuestra mochila con dinero y todo está ya en un yate. Y sí, ¿dónde podríamos comprar, conseguir? ¿Qué cosa? Alcohol. No, aquí tenemos, si quieres tenemos un trago. Claro, hermano, Napoleón, eres mi señor, eres mi... ¿Qué? ¿Qué? Muéstrate. Dale. Ya te ayudo. ¿Qué quieres tomar? ¿Rom o vodka? Uy. Diga, ¿rom o vodka? Ron, claro que ron. Vamos a decir que es ron. Claro que ron. El elefante. Vale. ¿Puedo subir? Sí, claro. ¿Eso es tuyo o cómo? Ah, ok. Y lo lué, le gars. Bon. La patada es parte. Vamos a... Ah. ¿Puedes ¿Te ayudo? Tomarme, porfa? Ok. A la una, a la dos. A la cuatro. ¿Necesitas ayuda o qué? ¿Quieres subir también? Ya va, déjame. Ya puedo. Dame tu mano. ¿Ah, puede? Sí, ok, vale. Dale. Ay, se puede. Ay.
una buena barquita. ¿Cuánto pagas por para alquilar esto? ¿Cómo? 200. 200 al día. 200 al día. Ok. ¿Y cuántas personas están? Como 8. 8, ok. Ok. Ouais, donc ça va, il paye 20, 30 euros par personne, ça va. En anniversaire en plus, putain les gars, c'est rentable. ¿Puedo ir más adelante? Sí, sí, gracias. Regardez-moi ça, les gars. Est-ce qu'on n'est pas posé ici? Ah, moi, bon, je crois que je vous donne envie un petit peu là dans cette vidéo. Vamos a reprobar un trago aquí en Venezuela. Sí, claro. Ron venezolano. Ron venezolano, hecho aquí. Es como Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa. No, es cacique. Este. Cacique. Ajá, es aquí. Wow. Venezuela. Les gars, on se fait régaler ici. Wow. No tiene. Este se llama pata de elefante. No tiene más grande como. No, es el más grande todo. Pata de elefante. ¿Elefante? Pata de elefante. Pata de elefante. La pata, el pie es el elefante. Ah, ok. Así por la casi botella. 2 litros. Casi 2 litros. Uf. Puedes emborracharte como 10 veces. Mucho, mucho. Antes de terminarla. Le hice pata de elefante porque ya va, por la ya forma. Va, ya va, ajá, no. Vamos a probarlo. Sí. Sí. Abajo, ah no, arriba. Ya va, ya va, arriba. Abajo, ya va, al centro. Ya va. Ok, ok. Ya va. Arriba. Adentro. Salud. Rico. ¿Cuánto alcohol ha ponido? Como por aquí. Ah, ok. Perfecto. Suave. Muchas gracias. ¿Quieres más? No, está bien. Está fuerte. O sea, por el momento está bien. Como está solo. ¿Qué hora es ahorita? Son las 4 y 12. Oh, está bien. ¿A quién, Juanes o? Pero tú de una vez atacando el número. Ay. Ay, respetale la cara al Napo. Va a tener el número, les gars, c'est pour apprendre le venezuelano, évidemment. No, es Timon, mira, regarde cómo es que ils ont écrit mon prénom, Timon, no, es Tibo. No, mira. Escríbelo tú. T-H-I-B-A-U-L-T. Como así, mira. Ah, Tibo. Tibo, así. Ah, Tibo. Tibo, sí. Wow, attends, on va cacher son truc, mais regardez, les gars. Napoléon José Arispet Piña. C'est incroyable, ça. On a un Napoléon à bord, c'est incroyable, j'adore. Incroyable. Tienes WhatsApp. Sí, tengo WhatsApp. Atacando. Tengo Instagram. Tengo Instagram también, tengo todo. ¿Quieres ayuda o? Opla. Vale. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Ok, ¿hasta qué hora se quedan aquí? Como? Hasta las 5 y después se van a llegar. Ah, ok. Claro, yo se va a pasar con tú. Si tú vienes a regresar a español. Bon, je pense qu'avec Jorge, on a assez de contenu aujourd'hui. Je pense que c'est un peu une très bonne vidéo, les gars. Même beaucoup trop. Même beaucoup trop, les gars. Je pense qu'on avait trop vu, les gars. Va falloir que je foute quelques trucs, je pense. Bon, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en l'air. Va me dire ce que t'en penses dans les commentaires. 20 follow sur Timmy.Jones sur Instagram. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Timo. Un saludo pour la caméra. Que pasa? Un saludo pour la caméra. Parce que la vidéo s'acaba ahorita. ¿Cómo? La vidéo s'acaba ahorita. Un saludo de. Un saludo para Francia. Directamente para Cuba. Okay. Ciao, Mbappé. Ciao. Ciao, Mbappé. Allez, bisous, les amis. Ciao. Saludos para Mbappé.